Ok, je crois qu'on est bon. Alors, attendez que je sorte le chat. J'ai eu la notif. Salut la machine et j'espère que t'es au top. Alors, commençons par le commencement. J'espère que ton anglais s'est bien passé. Au pire, c'est pas grave, c'est pas lui qui va te sauver non plus. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon, l'objectif de ce live, ce sera quoi? Ce sera de reprendre quelques notions. J'ai imprimé des bouts de sujets. Apparemment, il y a des thèmes qui vous intéressent un peu plus que d'autres. Là, le premier thème par lequel on va commencer, pas trop perdre de temps. J'attends que les premiers arrivent, mais on ne va pas trop perdre de temps. Le premier thème, ça c'est extrait d'un bac Amérique du Sud, c'est sur la numérisation. On me demande ça de manière complètement folle. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, si on me le demande, bah, ok, pourquoi pas. Donc c'est numériser, donc stocker et numériser l'information. C'est ça, hein, numérisation. Bon voilà, on me le demande, on me le demande. Donc voilà, ce sera ça le sujet. Donc, on va pas faire tout le sujet parce qu'après ça part dans les diffractions ou je crois, je sais même pas trop. Mais en tout cas, j'ai que imprimé la première partie, ça suffira pour traiter ce qu'on veut. On va parler de bits et d'octets, voilà. Quoi d'autre? C'est Amérique du Sud. Alors attendez, je peux vous envoyer le sujet. Commencez par le sortir le sujet en attendant que je continue à faire le recap de tout ça. Attends, tac. Et tac. Ok, alors Amérique du Sud. Donc ça va être la première partie. D'accord? Donc partie 1, partie 1 de ça. On va commencer par là. Ok, on va faire assez rapidement ça. Comme ça au moins cette partie conversion, cette partie, bref, toute cette partie, vous allez la comprendre, si ce n'est pas encore le cas. Ensuite. Moi, j'aurais tendance à vouloir vous faire un récapitulatif de tout ce qui est mécanique, parce qu'encore une fois, c'est ce qui sort quasiment tout le temps. Mais j'ai aussi pas mal de questions sur tout ce qui est transfert thermique. Encore une fois, bon, pourquoi pas, tu vois? Au cas où, j'ai un bout de sujet qui peut être assez intéressant. Mais c'est des calculs relativement simples, hein. Donc je veux dire en soi, il n'y a pas tellement de, comment dire, il n'y a pas tellement d'explications, c'est juste des démarches à suivre, je peux vous la donner. Et voilà. Donc ça, c'est un peu les points qu'on pourrait aborder. Ok? C'est un peu les points qu'on pourrait aborder. On est bon? Ok. Pour ceux qui demandent de la chimie, les gars, je ne vais pas te faire de chimie aujourd'hui. Parce que, de toute façon, un, il n'y a pas le temps, et deux, dans tout ce que j'aime faire, la chimie, c'est ce que j'aime faire le moins, tu vois. Donc, tous ceux qui veulent de la chimie au cas où, bon, de toute façon, c'est pas comme si vous allez faire, mais j'ai déjà fait plein d'exos de chimie pour cette formation bac. Moi, c'est bon, j'ai eu ma dose de chimie, c'est tout, tu vois. Ok, on est bon. Donc, commençons par ça. On va déjà une fois traiter cette première partie de sujet. Je dis bien que c'est une partie de sujet. Et après, on verra si on part sur le transfert thermique, si on part un peu sur un récap mécanique, énergie, on verra. D'accord? On est bon? Allez, bah c'est parti, on va pas trop traîner. Donc je vous renvoie à cette affaire dans le chat. Il est là. S'il vous plaît, les gars, ce qui serait assez cool, bon déjà, c'est que vous vous calmez un petit peu dans le chat. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que quelqu'un copie-colle le lien que je suis en train d'envoyer. Comme ça, vous pouvez l'envoyer si quelqu'un demande, hein. Vous aider les autres. Ce serait cool. Hein? Voilà, on est là pour s'aider. Donc, être ton voisin. Et demain, tu te feras aider. Le jour du bac. Allez, c'est parti. Donc, voici. Ah non. Attends, attends. La cam est le bug. Alors, attends. Ok. Ah, elle est là, la cam. Ok. Propre. Allez, c'est parti. Donc, voilà le sujet. Comme dit, je te l'ai envoyé déjà sur le chat. Remonte un petit peu. Je vais te l'envoyer dans 10 secondes. Ça va, c'est à peu près lisible.
Exo sur 5 points, les deux parties. Donc là, on va faire je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on va faire la question qui traite tout ce qui est numérisation. Kepler. Ben Kepler, au final, c'est un peu. Ouais, pour moi, Kepler, c'est un peu. C'est une extension de la mécanique. Kepler, c'est juste les. Pourquoi tu fais pas stockage et transmission d'infos? C'est ce que je suis en train de faire là. Les gars. Ok. On est bon? Allez, 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 allez. Bim. Allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, une fois lire. Ça, apparemment, c'est l'exo qui correspondrait bien à tout ça. Bon. Allons découvrir cet exercice. Conversion analogie numérique. Ok. Quand on frappe un diapason, il émet un la, la note. Ces deux branches vibrent pendant quelques secondes à la fréquence de 440 Hz, entraînant la vibration de l'air qui les entoure. Là, tu as le diapason, il ressemble à ça. Okay. Si on place devant le diapason un micro, la membrane de ce dernier vibre également et ce mouvement est converti en une tension électrique de même fréquence que le son. Donc là, on voit bien que la tension U, c'est la même chose que le son du diapason. D'accord? Ok, donc oh, petit rappel, hein, une tension, ça sonne U. Hein. Et c'est quoi l'unité? Allez, ça je te laisse dire. Le signal électrique à la sortie du micro est un signal analogique. Justifiez brièvement cette affirmation. Alors, analogique, ça veut dire quoi? Analogique, ça veut dire quoi? En fait, il y a deux choses à capter. Il y a deux choses à capter. Les gars, du calme, on va faire ça. Après, on fera un autre truc encore. Ne vous inquiétez pas. Okay. Il y a deux choses à capter dans tout ce qui est, je dirais, graphe, transmission de son, ce genre de truc. C'est que soit tu peux voir ça comme analogique. Analogique, ça va être quelque chose de continu. Okay. Donc, de manière générale, tu vas voir le temps ici, okay, le temps, et quelque chose de continu. Okay. Donc, on a ça. Et donc, voilà. Donc, là, il suffit de dire que. Et tu vois bien, on constate bien que tu vois cette allure-là, c'est bien quelque chose de continu. Okay? Donc ça va être continu. C'est quoi je peux mettre ici? Continu. 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 Allez, au cours du temps. Du temps. Ok, propre. Et après, c'est quoi l'autre, entre guillemets? L'autre, c'est quoi? C'est. Voilà. Un ordinateur ne peut que trader des signaux numériques. On va y revenir. Définir ce qu'est un signal numérique. Bah, numérique, ça va être quoi justement un signal numérique? Ouais, par exemple, le numérique. Hein, allez, je te dis, quand tu dis numériser, les bits, tout ça, c'est 0,1, tu vois, c'est deux valeurs. Tu vois. Donc en gros, c'est quelque chose de discret. Alors, discret, des fois, ça pose un peu problème, mais je vais te faire la différence. Regarde. Ça, c'est quelque chose de continu. Et ça, c'est quelque chose de discret. Ça peut être tac, 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 ou bien c'est juste des points, tu vois. La différence entre continu et discret, c'est que ça va être, tu as des sauts. Tu as des sauts. D'accord? Donc, l'ensemble des réels, tu vois, tu as bien un intervalle, par exemple. Ça, c'est un intervalle continu dans l'ensemble des réels. Par contre, l'ensemble des naturels, l'ensemble Q, tout ça, c'est que des points, si tu observes bien. Tu vois, N, c'est un ensemble discret. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla, jusqu'à l'infini. OK? Et Q, c'est pareil, c'est toutes les fractions. Même s'il y en a beaucoup, 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 est-ce que c'est un ensemble continu? Non, c'est discret. Il y a des sauts partout. Et maintenant, regarde, c'est complètement logique, si tu réfléchis, qu'un ordinateur ne peut que traiter des signaux numériques. Pourquoi ça paraît assez logique, ça? Ça paraît assez logique parce que lui, à chaque fois que tu lui transmets de l'information, tu lui dis, prends ça, prends ça, prends ça. Et quand tu lui dis, prends ça, ok? Ce ça va être un point. Donc à chaque fois, tu lui donnes des informations. Alors ces points, ils peuvent être collés, si tu veux, aussi près que limite à l'infini près, tu vois. Mais ça reste des points. Donc c'est ça tout le temps, un ensemble discret. Et dis-toi qu'une machine, un ordinateur ne peut que traiter des signaux numériques. Discret, un ensemble discret. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Donc, capte bien la différence entre numérique et analogique. Si tu galères, au cas où, tu fais un moins mnémotechnique. Ok? Anal,
continue, vas-y, continue à me la mettre, tu vois. Allez, c'est bon, c'est cadeau, tu vois. Continue l'anal, tu vois. Allez, c'est bon, comme ça, tu sais que continue, c'est anal, analogique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va, tu valides le moment mnémotechnique. C'est comme ça, les moments mnémotechniques, les gars. Pour traiter un son à l'aide d'un ordinateur, graver un CD par exemple, il faut convertir le signal quoi? Il est analogique, hein, continue, obtenu à la sortie du micro, en signal quoi? Numérique. C'est le rôle du convertisseur analogique numérique. CAN. Ok? Ok. Alors, on peut décomposer la conversion en deux étapes. Donc, on a deux étapes qu'on nous dit. On a l'échantillonnage et la numérisation. Ok? L'échantillonnage et la numérisation. Alors, dans la pratique, ces deux étapes se font simultanément. D'accord. Alors, 1.3. Que signifie échantillonner un signal analogique? Que signifie échantillonner un signal analogique? Ok. Donc, regarde ce qu'on est en train de faire. Là, on veut convertir ce truc pour l'ordinateur. Donc, échantillonner, c'est quoi? En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mesurer le signal à un intervalle de temps régulier. Ok? Donc, ce qui va avec, quand tu parles d'échantillon, échantillonnage, ça va être la période. Période d'échantillonnage. Tu peux, par exemple, noter ça, TE. Période d'échantillonnage. D'accord? Donc, tu as une période d'échantillonnage et tu as ton signal qui est continu, comme ça. Et toi, tu vas dire, OK, ça, 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 ça. Tu vois, à certaines périodes, toujours la même, hein, donc c'est l'intervalle toujours la même, on parle bien d'une période, tu vas échantillonner le merdier. D'accord? Donc, c'est juste ça, tu vois. Donc, ça consiste juste à mesurer la valeur du signal, un intervalle de temps régulier. OK? Donc, mesurer valeur du signal à intervalle de temps régulier. Ok, ça va, je pense que c'est à peu près cohérent ce que je suis en train de dire. Donc en gros, tu vas mesurer ça. Maintenant, combien de valeurs peut prendre un échantillon numérisé sur 8 bits? Alors, est-ce que ça te paraît déjà cohérent que, regarde juste logiquement, si ton intervalle de temps, il est comme ça, ou bien si il est comme ça, voilà, il est plus petit, est-ce que ça paraît à peu près cohérent que la qualité, entre guillemets, va être meilleure, donc ça va prendre plus de place? Ok? Donc en gros, tu vois, là, on a du continu, et là, on va passer en discret. On va passer en discret. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'on passe en laissant, en faisant de temps en temps? Ok? Ou bien est-ce qu'on essaie d'être extrêmement précis? Ok? En ayant un intervalle d'échantillonnage qui va être très très petit. Et en fait, plus c'est petit, plus entre guillemets ça sera précis. Ok? Donc dis-toi que l'idée derrière c'est ça. L'idée derrière c'est juste ça. Donc là maintenant on nous dit, attention, on nous dit combien de valeurs peut prendre un échantillon numérisé sur 8 bits. Bon, au cas où, hein, dès que tu as un bit, c'est quoi? Un bit, c'est quoi? Un bit, tu vas avoir un bit, tu as soit tu as un 0 ou tu as un 1. Quand tu as deux bits, c'est quoi? C'est pas humain, on est d'accord. Donc, c'est un 0 ou un 1, et de nouveau, tu as un 0 ou un 1. D'accord? Donc ça, c'est combien de valeurs? Ça, c'est deux valeurs. Ça, c'est combien de valeurs? Là, il y en a deux, plus là, il y en a deux. Ah. Si je fais 3, c'est quoi? 0,1 ou 0,1 ou 0,1. Donc, tu as combien de valeurs là? 2 plus 2 plus 2. Donc là, tu en as 4, hein, on est d'accord. Là, tu en as 6. Et nous, on veut combien? On veut sur 8. Bon, je ne vais pas commencer à faire jusqu'au bout, mais est-ce que tu comprends la logique? C'est juste ça ou pas?
Non? Ben non, c'est pas juste. C'est pas juste. Faut réfléchir, les gars, attention. Là, tu peux avoir. Là, on est en deux. Ok? On est en deux bits, là. Hein? Faites gaffe, les gars. Regarde. Quand t'es en deux bits, attends, je vais juste mettre là en dessous. Tu peux avoir 0,0. Tu peux avoir 0,1. Tu peux avoir 1,0. Et tu peux avoir 1,1. Donc attention, les gars. Attention, quand tu es en 3, tu vas avoir 3 combinaisons possibles à chaque fois. Ok? C'est ça la différence. Hein. Les bits, c'est là. Donc, ce n'est pas que 0,1, 0,1. Parce que sinon, tu vois bien que là, on tombe à 6. Alors que si tu mets avec les 3, tu vas voir que tu n'en as pas 6, mais tu en as 8. La logique qui est derrière, c'est que ça, c'est 2 puissance 1, ça, c'est 2 puissance 2. Et si tu continues, quand tu as 8 bits, tu as 2 puissance 8. Et si tu vas, allez, on va dire 45, c'est 2 puissance 45. Donc fais gaffe, hein. Le nombre de bits, il est toujours en haut. Ok, allez, t'en veux une bien, tu portes ta bite, voilà, ça c'est la bite, elle est en l'air, tu vois. Bite en l'air, tu vois, elle est en haut. Allez, ça vous parle. Ok, c'est très, très, très connoté en fait, ce chapitre. Bon, donc là, voici, donc on a 2 puissance 8. Donc 2 puissance 8, tu tapes à la calculatrice, c'est toujours les valeurs que tu connais un peu, tu vois, 256, 1080, ce genre de trucs. Donc 256 valeurs. D'accord? Donc faites gaffe. Hein. Ok, nickel. Donc après, on a quoi? Tac, tac. Ensuite, dans le cas d'un CD audio, la numérisation se fait sur 2 fois 16 bits stéréo. Avec une fréquence d'échantillonnage, donc là on te donne une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 44,1 kHz. Ok? Alors, kHz, ça veut dire quoi? Kilohertz, bon, je pense que c'est cohérent. Ça, quand tu as kilo, c'est fois 10 puissance 3. Okay? Quelle est en mio, million, la place théorique occupée sur un CD par un échantillon de musique non compressé? Ok? 1 mio, on nous dit que c'est 2 puissance 20 octets. Et 1 octet, c'est quoi? Ah merde, c'est écrit là. Bon. 1 octet, c'est 8 bits. Okay. Donc là, on a pas mal d'informations. Regarde, ce qui est en train de se passer au final, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est toujours la même. Là, on veut. C'est quoi? On veut compresser. Dans le cas de... Voilà. Bref. Donc là, on voit que ce qu'on veut faire, c'est toujours la même. On a un signal continu, on veut le mettre sur un CD, peu importe. En tout cas, on veut le numériser, ça c'est sûr. OK? Et du moment que tu dois numériser, on a cet intervalle qui intervient. OK? Genre, tous les combien de temps on va numériser? Alors là, je t'ai dit, avant, c'est quoi? C'était avec une période. Là, je l'avais mis ici, je l'avais écrit ici, voilà. La valeur initiale à intervalle de temps régulier. Et l'intervalle de temps régulier, j'avais dit que c'est TE. Et là, tu vas me dire, OK, mais où il est ton TE? Où il est ton intervalle de temps régulier? Là, on me parle de fréquence. C'est quoi ce bordel? Donc, il y a une chose que tu dois savoir, hein, très important, c'est que la fréquence, c'est 1 sur la période. Donc là, si on parle de la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur TE. Donc, retiens entre guillemets juste ça. C'est une formule, on va dire, qu'il faut que tu retiennes. Tu vois. Donc, à partir de là, bah, comment faire pour trouver le truc? Donc, comment faire pour trouver en mio la place théorique occupée sur un CD par une minute de musique? Donc, en gros, nous, on a là, je t'ai dit, on a le temps. Donc c'est comme si on allait de 0 à 60 secondes. Si on est en seconde. Hein, une minute, c'est 60 secondes, ça. Okay? Donc là, tu as 60 secondes que tu dois, entre guillemets, numériser. D'accord? Donc là, on commence à avoir, entre guillemets, toutes les informations. On doit numériser 60 secondes. Okay? C'est le temps. D'accord? Je sais que le format, c'est du 2 fois 16 bits. Mais moi, je veux un résultat en mio, et je sais que les mio, on me donne une relation entre mio et octet. D'accord? On me donne cette relation entre mio et octet. Donc, pour avoir en mio, en mio, il me faut des octets. Donc, moi, il me faut quelque chose en octet, et je sais que 8 bits est égal à 1 octet. Voilà. Donc, j'ai ça.
Donc, comment s'y prendre? Et pardon, j'ai encore la fréquence qui est égale à 44,1, 44,1 kHz. Voilà. Donc, voici toutes les informations importantes que tu vas devoir utiliser. D'accord? Donc voilà, maintenant à partir de là, tu regardes un petit peu cette affaire et comment tu t'y prends. Première chose que je te conseille, c'est que moi je sais déjà que la numérisation, elle va se faire en 2 fois 16 bits. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que moi, bah dans l'idée, il faudrait plutôt que je travaille avec des octets. Donc tu peux dire, tiens, je pourrais peut-être commencer par convertir ça en octets. D'accord? Ça, c'est premier axe qu'on pourrait faire. Donc, en tout cas, ça, on va devoir le faire. Okay? Ensuite, donc si tu veux, tu peux te dire, OK, 2 fois 16 bits, ça me donne des bits. Okay? Et je divise. Donc si maintenant j'ai, qu'est-ce que j'ai dit? 8 bits, c'est un octet. Donc ce nombre de bits, là, il y en a combien? Il y en a 2 fois 16, ça fait 32. Ça fait combien d'octets? 32, ben, il suffit de diviser 32 par 8. Okay? 32 par 8, 8 fois 4, 32. Hein? Donc ça fait 4, j'ai dit, hein? 4 octets. Donc j'ai déjà une première partie. Je sais que, voilà, ça, je travaille en octets, j'ai 4 octets. Jusqu'à là, tu vas me dire, bon, c'est déjà un petit début. D'accord. Ensuite, quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors maintenant, ce qui est très important, c'est que tu te dis, à chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise, d'accord? À chaque fois, on va prendre une mesure. Ok? Une fréquence. Putain, en fait, je vais te donner le résultat là, ça continue. Je vais te donner le résultat, ça continue. C'est quoi? En fait, la question que tu vas te demander, c'est en 60 minutes, d'accord? En 60 secondes, pardon, en 1 minute, ok? Je prends combien de fois cette mesure? Okay. L'image, c'est la suivante. C'est à chaque fois que je vais prendre une mesure, là, dans les 60 secondes, je vais, entre guillemets, utiliser 4 octets. Ok, ça va, tu suis? Donc à chaque fois que je prends une mesure, j'utilise 4 octets. Donc la question que je dois me demander, c'est combien de mesures je prends? C'est juste ça. Combien de mesures je vais prendre? Combien de mesures je vais prendre? Combien de mesures, on va noter ça N, je vais prendre? Bah, N, c'est le nombre de mesures. D'accord? Ben, combien de fois je vais prendre? Eh bien, j'ai combien de temps? J'ai secondes. J'ai 60 secondes. Okay? Donc forcément, les secondes, ils vont intervenir, hein, le temps et la fréquence va intervenir. Okay? Donc la fréquence, elle me dit quoi? Que c'est 1. La fréquence, c'est 1 sur la période, 1 sur le temps. Donc tu vois bien que si je fais la fréquence d'échantillonnage, et que je multiplie ça par mon temps, que je vais écrire delta t. Alors pourquoi je prends une forme, pourquoi j'écris avec un delta t et pas directement 60? Parce qu'en physique, retiens ça s'il te plaît, très important. En physique, c'est très important de toujours écrire en numérique, en littéraire. C'est seulement la dernière étape que tu remplaces tout ça par les chiffres. C'est ce qu'on appelle l'application numérique. Donc, ne confonds pas 60, tout ça. Mets pas les valeurs, mets au début la forme littéraire. Très important, pour que tu ne perdes pas des petits points à la con. Et pour ceux qui se demandent d'où ils viennent ces 60 secondes, ben en fait, dans l'énoncé, on te dit que tu veux 1 minute de musique, tu vois, non compressée. Donc, 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, tu fais FE fois delta T. D'accord? Ça va être ton nombre de fois que tu vas venir, tac, 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 tac. Et chaque fois que tu viens faire cette conversion, ça te prend 4 octets. Okay? Donc, à partir de là, tu as tous les éléments pour répondre à ta question. D'accord? Donc, la place que ça va prendre, okay? La place que ça te prend, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de fois qu'on va venir prendre et on multiplie ça par 4. Okay? Donc ça va être 4 fois le nombre de fois qu'on va venir prendre n. N ou bien tu peux écrire FE fois delta T. Ça, c'est un résultat qu'on va avoir en quoi? Ben, on a le nombre de fois et on sait qu'à chaque fois, c'est 4 octets. Donc c'est un résultat. Ce résultat, il va être en quelle unité? Il va être en octets.
Mais sauf que moi, je veux une réponse finale en quoi? En mio. D'accord? Je veux une réponse finale en mio. Et je sais que 1 mio, c'est 2 à la puissance 20 octets. D'accord? Donc là, si j'ai ça en octets, comment je fais pour trouver pas quelque chose en octets, mais quelque chose en mio? Eh bien, c'est simple. Donc c'est simple, je pense que c'est compréhensible. Tu vas diviser ça par 2 à la puissance 20. On est bon? Et le résultat, ça va être 10,1 mio. Donc, voici ce qu'il y a à comprendre. Ok? Ça va? Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je dois résumer rapidement, en 2 minutes. Au début, alors, si je reprends cet énoncé, donc au début, c'est vraiment des questions de cours. Okay? Là, on me parle de signal analogique et de signal numérique. Il y en a un qui est continu, l'autre est discret. On a dit, moyen mnémotechnique, continue l'anal. Donc, analogique, c'est continu. Ok. Du coup, par défaut, si tu veux, numérique, c'est discret. Tu vois, un ordi, il est discret. Hein? Quand tu es là sur ton ordi, tu es discret. Tu as une petite capuche, tu te mets en secret, voilà. Donc voilà, là, tu as les trucs. Ensuite, on nous dit quoi? Pour traiter le son, il faut convertir le signal analogique obtenu en micro, en signal numérique. C'est ce qu'on a dit. Hein. Donc, première question, on va parler d'échantillonnage. Hein. Donc, dans l'échantillonnage, justement, il y a l'échantillonnage et la numérisation. Et l'échantillonnage, c'est quoi? Que signifie échantillonner? Ce qu'on a dit, c'est mesurer justement la valeur du signal à intervalle de temps régulier. Donc, on prend le signal et on va le mesurer à valeur de temps régulière. Et ce temps, hein, cet intervalle, c'est TE. Période. Okay? Régulière. Donc on va venir tac, 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 tac. Ensuite, combien de valeurs peut prendre un échantillon numérisé sur 8 bits? Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on va venir prendre toutes les 2 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 1 seconde, toutes les 0,001 seconde? Ça c'est la question. Alors, là justement quand on travaille en bits, on nous dit, tiens, 8 bits, ça va être quoi? 8 bits, c'est 2 puissance 8, hein, la bit en l'air, de 8. Parce que les bits, tu sais que c'est soit 0, soit 1. Soit elles fonctionnent, soit elles ne fonctionnent pas. OK? Donc, 2 puissance 8. Donc ça, il y a 256 valeurs. Okay. Donc, tu as 256 valeurs. Donc, tu vois bien que ça va déterminer le nombre de fois que tu peux prendre. Tu peux prendre 256 valeurs. Ensuite, dernière étape, on te donne la numérisation, elle se fait. Donc, on te donne en combien de valeurs elle se fait. Okay? Et on te donne aussi la fréquence. Mais quand on te donne la fréquence, c'est comme si on te donnait l'intervalle de temps. Okay? Parce que la fréquence, la relation que tu dois connaître, c'est F est égal à 1 sur T. Okay? Donc tu as la fréquence, tu as le temps, parce que T est égal à 1 sur F, dans l'autre sens. Donc on donne la fréquence et on te demande juste quelle est la taille que ça va occuper. Alors, le dernier, donc au final, tu es juste là. Donc tu vas te demander combien de fois je vais le faire et je multiplie ça par la taille. Et la dernière petite particularité, c'est quoi? La dernière particularité, c'est que au lieu d'avoir tout en bits, eh ben, on va avoir les choses plutôt en octets, parce qu'on sait qu'un octet, c'est 8 bits. Et là, d'ailleurs, c'est même différent, parce qu'on dit, tiens, nous, on veut carrément des mio. Donc, au lieu d'avoir des octets, 2 puissance 20 octets, ça me donne 1 mio. Okay? Donc, voilà un peu l'idée. Donc là, c'est juste des conversions. Ça, c'est juste des conversions. Mais dans l'idée, c'est juste, tu vas venir puiser un certain nombre de fois, tu vas multiplier par la taille, et après, tu fais les conversions nécessaires. On est bon? Voilà. Ok, donc ça, c'était la première partie de cet exercice. Donc, c'était justement sur la notion que vous voulez avoir. Et c'est vrai qu'elle n'est pas tombée depuis vraiment assez longtemps. Donc, tous les ans, tout le monde dit, tiens, ça peut tomber, ça peut tomber. Bon, pourquoi pas? Moi, au cas où, si vous voulez, je peux terminer ce live, donc terminer. Je peux faire une deuxième partie de ce live sur, on va dire un petit peu tout ce qui est méca, à reprendre et tout. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que bon, a priori, c'est ce qui tombe très très souvent. Donc, à vous de voir. À vous de voir, mais voici en tout cas l'idée de la numérisation, stockage des informations, la voici. Ça va, on est bon? Alors attendez, maintenant que j'essaie de trouver le chat, où il est? C'est le plus beau. Merci.
Alors, il y a un super exercice au cas où avec les électrons, la VK. Alors, dites-vous que tout ce qui est mécanique avec les forces électriques, ça fonctionne de la même chose, ça fonctionne de la même manière que la mécanique avec des forces comme le poids, la gravité, la tension d'un fil, etc. Tu vois. Ok. Alors, transfert d'énergie. Donc ça aussi, c'est nouveau un peu la même. C'est un truc qui n'est pas tombé depuis vraiment, vraiment longtemps. Là, j'ai un exo devant moi. Franchement, en termes de proba, c'est plus faible que ça tombe. Hein. Beaucoup, beaucoup plus faible. Et je vous le dis, hein, c'est, si on fait cet exercice ensemble, en gros, c'est comme si tu allais un petit peu parcourir... Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vois. Okay. Donc, limite, je peux peut-être te conseiller un exercice qui reprend un peu le truc. Mais franchement, pour le coup, je n'ai pas vraiment l'impression que je vais vraiment te changer ta life. Tu vois. Parce que je pense que si tu lis l'énoncé, bah, c'est un peu la même. Tu vois. C'est vraiment un petit peu la même. Tu vois. Donc, mais vas-y, je vais quand même vous conseiller l'exercice. Tu vois, ça remonte à 2013 de nouveau. Tu vois. 2013, exercice numéro 3. Sur le sauna. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Alors, je vais vous donner encore quelques outils là. Quelques outils. Pour ceux qui veulent un exercice de Kepler, allez voir, il y a une vidéo sur la... Tapez Matrix Kepler. Vous allez tomber sur les vidéos. Elles sont top, franchement. Elles sont vraiment trop, trop bien. Je le dis pas parce que je l'ai fait, mais parce que les retours sont excellents et je sais que le contenu dedans, il est très bon. D'accord ? Donc, faites cet exercice, il va un peu plus profond, c'est full Kepler. Et quand c'est full Kepler, de toute façon, au bac, tu n'auras jamais du full Kepler. Tu vois. Donc, ça, c'est un exercice que je conseille. Si tu veux un exercice un peu plus costaud, alors, encore une fois, hein, si tu veux un exercice un peu plus costaud sur tout ce qui est mécanique avec tout ce qui est électrique, ok ? Sur la chaîne YouTube, encore une fois, tu tapes Matrix mécanique, un truc comme ça, tu auras un exercice type bac qui reprend ça. Il est top aussi. Okay, c'est un exercice, il est assez long, je te conseille de le faire. Okay. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais plutôt faire un récapitulatif sur... Je vais faire un récapitulatif plutôt sur la démarche, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant. Je vous explique la démarche attendue par un type d'exercice. Ok, donc voilà, écoute, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est ce que je décide de faire pour, entre guillemets, votre bien. Donc après, si maintenant, toi, tu as besoin de questions, si tu as des questions précises, encore une fois, bon, dans la formation, tu as, là, au cas où il y a 70% sur la formation, si tu en profites, il y a aussi SVT, sciences de l'ingénieur et tout, mais voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vais juste vous donner un petit peu un feeling généralisé de tout ça. Comme ça, tranquille, relax, vois ça comme un petit résumé tranquille, tu vois. Ok, on est bon? Allez, c'est parti. Donc, si je devais te faire un petit résumé, tu vois, un petit résumé de ce qui pourrait, entre guillemets, tomber, tu vois, ou le genre de démarche. En fait, dès que tu as un problème, une situation, hein, donc une expérimentation, tu vas avoir, truc con, hein. Allez, je prends un classique, mais peu importe. T'as ça, ok. Allez, t'as ça. C'est quoi, alors on va créer un exercice ensemble. Donc, t'as ça. Ça, supposons que c'est une voiture qui monte. Ok. Là, il s'avère qu'elle est à l'arrêt. Ok, donc là, en tout cas, disons que c'est une voiture. Ok, là, elle est à l'arrêt. Donc, étape 1, elle est à l'arrêt. Donc, ce qu'on va toujours te demander, et d'ailleurs, c'est souvent ça, en physique, ça va tout le temps être ça. Au début, tu as quelque chose au repos, et après, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ok, il y a vraiment y a une deuxième étape qui se passe. Tu vois. Donc, quand le truc, il est à l'arrêt, alors, ne t'imagine pas que j'ai mis le frein à main, tu vois. Genre, commence pas ce genre de truc, tu vois. Mais supposons que là, la voiture est posée comme ça. Elle est juste posée.
Et on va toujours te demander un truc, c'est quelles sont les forces. Quelles sont les forces? Alors la force, comme d'hab, hein, tu as tout le temps la gravité, okay, le poids, P. Et après, donc, tu as ça, et après, tu as d'autres forces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle au passage une force conservative. Et après, tu as d'autres forces. Ok, tu as d'autres forces qui pourraient être, par exemple, là, ça serait les frottements. Ah tiens, j'ai une question assez stylée. Si tu as une voiture, alors vas-y, une petite question, ça peut être une petite question piège, juste que tu captes un peu l'idée du frottement. Si tu as une voiture, donc là tu as une roue, ok, et ça c'est une voiture. Si maintenant j'ai, qu'est-ce qui fait avancer la voiture? Voilà, ça c'est ma question. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture? En fait, ce qui fait avancer la voiture, c'est les frottements. Juste que tu captes. Ça, c'est intéressant parce que, en gros, si là, tu n'as pas de frottement, imagine-toi, c'est comme si tu avais une surface avec du savon et tu es d'accord que, du coup, tu patines. Donc, juste au cas où. Hein. Donc, c'est le frottement qui fait avancer. Hein. Parce qu'on est tout le temps là à dire, ouais, les frottements ne font pas avancer, mais attention ici, tu vois. Bon, alors, ce qu'on disait ici, donc, tu as les frottements. Alors, au cas où, donc ça, c'est ce qu'on voit dans cet exercice. Dans les autres types d'exercices, tu peux avoir la force gravitationnelle. Force gravitationnelle, ça c'est tout ce qui est Kepler. D'accord ? Tu peux aussi avoir quoi ? Tu peux aussi avoir les forces électriques. Ça c'est quand tu as une situation entre guillemets mécanique, mais que tu vas avoir des électrons. Donc ça, si tu veux, c'est juste des forces. Et pourquoi on s'amuse à faire tout le temps un bilan des forces ? Pourquoi on s'amuse à faire un bilan des forces ? C'est parce que l'étape d'après, donc ok, il faut toujours donner le sens, etc., le point, ou donc c'est toujours le point d'action aussi, très important. Donc sois complet dans tes réponses, point d'action, sens, etc. D'accord ? Donc ça, c'est toutes les forces a priori que tu connais. Tu as la gravité, le frottement, donc le poids, disons. Et après, tu as la force gravitationnelle, donc tout ce qui est Kepler, tout ce qui est astre, hein, et tu as la force électrique, électromagnétique. D'accord ? Ça, c'est ce que tu vas avoir. Tu vois. Ensuite, une fois que tu as fait le bilan des forces, la question d'après, a priori, tu vas toujours partir en quoi ? Tu vas partir en somme des forces est égale, force extérieure, est égale à MA. Okay. Tu vas partir là-dessus. Alors, au cas où, en question ici, milieu, en transition, tu peux avoir des trucs qui seront un petit peu, que tu verras un peu dans le chapitre de Kepler encore une fois, qui vont parler de la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Alors, ce qui est toujours très important, quand on parle, et c'est là, disons, que là où l'importance, elle va devenir intéressante. Pardon, ouais, après, tu as aussi la réaction du sol, c'est vrai que je n'ai même pas mis, réaction du sol, etc. Donc, où je voulais en venir maintenant, justement avec cette réaction du sol, c'est que il faut tout le temps considérer à partir de là, si tu veux, le système. Okay, donc on va parler du système. Et ça a vraiment son importance. Et d'ailleurs, dans le dernier live, on a vu à quel point que si tu ne comprends pas quand on parle du système, eh ben, tu vas être embêté. Imagine-toi maintenant que j'ai cette voiture, mais que d'un coup, j'ai une remorque devant. Okay, je la remorque. Et je l'attache à un pilier. Ok. Car maintenant que si le système, c'est la voiture, quelles sont les forces qui s'appliquent au système? Quelles sont les forces? Okay. Donc si le système, c'est juste la voiture, les forces, tu vas avoir le poids et tu vas aussi avoir la tension du câble. Donc là, tu peux par exemple avoir une tension. Pour les pendules, au cas où tu as ça. Par contre, si là j'ai une deuxième, donc c'est une remorque, donc j'ai une deuxième voiture, okay, j'ai une voiture 2, et que je considère le système, pas seulement une voiture, mais V plus V2, quelle est la force, quelles sont les forces appliquées au système, et ben tu vas avoir le poids, okay, sur leur centre de gravité, et c'est tout, et la réaction du sol, disons, la réaction, là, c'est une réaction du support.
et tu as le frottement, s'il y en a un. Mais ce que je veux dire, c'est que cette tension, tu ne la prends pas en compte parce qu'on parle bien du système. Et si tu regardes le système comme un bloc, comme un point, le fil n'est pas là, tu vois. Donc, juste au cas où. Hein. Ça, c'est le petit piège que tu peux avoir quand tu énumères les forces. Et j'insiste là-dessus parce que si tu commences à te trimballer une force de trop dans ta somme des forces est égale à MA, franchement, là, tu vas te compliquer la vie, ça va être un carnage. OK ? Donc, voilà. Donc, OK, on reprend. Donc là, tu peux avoir la quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est une formule. Hein. P est égal à MD. Okay. Ce qui est très important, c'est que la quantité de mouvement du système, c'est égal à la quantité de mouvement de chaque sous-système. D'accord ? Ça veut dire, l'exemple que je t'avais pris la dernière fois, c'est que si je suis dans une piscine avec une bouée, ok, donc ça c'est ma gueule dans une piscine avec une bouée, ok, donc ça prend ça comme une bouée, et que j'ai un ballon sur moi, ok, que j'ai un ballon sur moi, et ben le système c'est moi plus ballon, et ben la quantité de mouvement du système c'est la quantité de mouvement de moi plus la quantité de mouvement du ballon, ok. Et ce que ça veut dire là, c'est que si je jette mon ballon en avant, moi je pars en arrière, ok. Parce que là, je suis à l'arrêt. Si tu veux, ça, si je suis à l'arrêt, la quantité de mouvement, elle est à zéro. Et si d'un coup, je jette le ballon vers l'avant, il y a une vitesse qui se crée. Tu vois, P est égal à MV. Donc, je vais obtenir PM est égal à moins P du ballon. Donc, tu vois, ça, c'est, tu vois très, très souvent au cas où. Hein. C'est le genre de truc que tu vas voir très, très, très souvent. D'accord ? Donc, quand le système il est à l'arrêt, tu vas avoir un pseudo-isolé. On appelle ça aussi pseudo-isolé. Tu vas avoir la quantité de mouvement qui est égale à 0. Somme des forces égale à MA est égale à 0. Alors, quand somme des forces égale à MA est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu es à l'arrêt, soit c'est un mouvement constant. Ok? Donc, somme des forces est égale à 0. Attention, c'est arrêt ou bien constant. C'est la première loi de Newton, ça. Ok? C'est la première loi de Newton, ça. Donc, ça, c'est des petits pièges, hein, des petits trucs à la con qu'on peut te demander. Toi, là, oh, attends, mais c'est égal à zéro. C'est-à-dire que non, c'est aussi constant. Pourquoi c'est aussi constant? Pourquoi? Eh bien, parce que ça, cette formule, tu peux aussi l'écrire autrement. Tu peux aussi l'écrire comme la dérivée par rapport, on dérive tout le temps par rapport au temps, de la quantité de mouvement. En fait, c'est la même formule. D'ailleurs, on te dit même souvent, apprends cette formule par cœur. Et ça, si je le décompose avec P est égal à MV, ça me donne quoi? Ça me donne dérivée de MV par rapport au temps. Ça va, tu captes? Ouais. Et ça, c'est une constante. Et une constante, tu peux toujours les sortir de ta dérivée, de tes primitives, toujours tu peux sortir. Donc, ça me fait M D sur V sur DT. D'accord? Donc, tu vois bien quoi? D'ailleurs, c'est la première boule, ça va être le premier état. La prochaine étape, c'est que ça, là, la dérivée par rapport au temps de la vitesse, ça te donne l'accélération. Ok ? La dérivée de la vitesse te donne l'accélération. Donc, où je voulais en venir, c'est que si tu dérives une vitesse constante, la dérivée d'une constante, c'est quoi ? C'est quoi la dérivée d'une vitesse constante ? Ok ? La dérivée d'une vitesse constante, de quelque chose de constant, c'est bien zéro. Donc, c'est pour ça que somme des forces égale à zéro, ça veut dire que le mouvement, il est en inertie, hein, constant, ou bien il est à l'arrêt. OK, nickel. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dit? Tout d'abord, bilan des forces. Alors, on a quoi? Les classiques, c'est gravité, réaction du sol, frottement. OK, toujours donner la direction et le point. Le point. Si tu as un système, tu prends le point, tu prends le centre de gravité. Ok. Après, en force, selon les chapitres, tu peux avoir la force gravitationnelle. Ça, ça va être plus en mode, dès que tu es dans les astres, à la Kepler, dès que tu as le soleil qui intervient, c'est ça. Et les forces électriques, donc électroniques, électriques, c'est tout ce qui est, dès que tu as des électrons, champs magnétiques, genre de délire, tu vois. Ok. Donc ça, c'est les forces que tu vas utiliser. De toute façon, on te les donne d'habitude, tu vois. Après, mais ça, tu peux rentrer à la calculatrice, c'est pas de souci. Après, une fois que tu as fait le bilan des forces, tu fais somme des forces extérieures est égale à M1. Donc, pourquoi on s'amuse à faire ce système des forces extérieures égale à MA, au cas où tu appliques la partie quantité de mouvement? Parce que après, on veut t'emmener aux équations horaires. Ok, on veut t'emmener aux équations horaires. Les équations horaires, là, tu vois bien que tu as des forces. Ok, donc là, si tu veux,
tu pars de la boule où tu as des forces. Tu connais, toi, tu as seulement des forces. C'est facile à analyser. À l'œil nu, on sait faire des forces. On sait les trouver, les forces. Et une fois qu'on a les forces, on a cette relation. La deuxième loi de Newton, Newton, ce BG, hein, lui, c'est un putain de beau gosse, il ne faut pas oublier ça, qui t'a mis en relation les forces, forces avec l'accélération. Avec l'accélération. Okay. Donc là, on a accélération. Accélération. Et à partir de là, bah, tu vas pouvoir arriver aux équations horaires. Donc je te rappelle que toi, ce que tu cherches, ce qu'on va te demander tout le temps quasiment, c'est les équations horaires. Équations horaires. Équations horaires. Équations horaires, c'est quoi? C'est selon x et selon y de t. Là, toi, tu as l'accélération en fonction du t. Donc, comment passer de l'accélération à la position? Tu vas faire quoi? La règle des trois boules. Ok? Je le fais très vite, mais en gros, accélération, si tu fais la primitive, tu reviens. Et tu fais la primitive, tu reviens. Donc, on a, tu reviens où? Tu reviens à la vitesse. Et tu reviens où? Tu reviens à la position. D'accord? Donc ça, et tu reviens, tu vois, tes ancêtres, c'est quoi? C'est les primitifs. C'est primitive. Primitive. Ok. Dans l'autre sens, au cas où, ça c'est pas pour après-demain, disons, si tu vas dans l'autre sens, c'est la dérivée. Dans l'autre sens, c'est la dérivée. Ok. Alors, on va faire un cas très simple. Donc, si maintenant, tu as un objet en chute libre. Chute libre, ça veut dire quoi? Tiens, question de cours aussi. Chute libre, ça veut dire quoi? Là, tu as une pierre. Ok? Tu es en chute libre. Peut-être toi pour demain. Je rigole, ta gueule. Tu as une chute libre, ça veut dire que tu es uniquement soumis au poids. Donc, question de cours qui peut être demandée. Qu'est-ce que ça veut dire, chute libre? Ok? Chute libre, c'est. Ça veut dire que tu es seulement soumis au poids. Donc, ça veut dire que somme des forces est égale à MA. Donc, je te le fais très vite parce que normalement, c'est censé être simple, ça. Somme des forces extérieures est égale à MA. Donc, on a MG est égal à MA. Donc, ça, c'est le cas le plus simple que tu puisses avoir. G est égal à A. D'accord. Ça, c'est bidon. J'ai pris un exemple bidon pour qu'on aille vite. Maintenant, attention au niveau de la rédaction. La rédaction, c'est que tu vas voir ton axe. Donc, déjà, tu dois rester attentif sur ton axe. Tu as X qui part vers là. Et maintenant, si Y qui part vers le haut. Attention avec ton axe. Ok. Donc, une fois que tu es ici, l'étape d'après que tu dois dire, c'est, tu vois bien que là, tu as selon X et selon Y. Donc, quand tu es ici, très important, mets-le dans ta rédaction, tu dis en projetant sur le repère. Le repère. Ok. O, X, Y. Ça, tu dois mettre, sinon tu as des petits points qui vont dégager. Tu vois. À partir de là, l'accélération, tu vas obtenir A de T selon A selon X de T et A selon Y de T. Et tu vois bien que selon X, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est 0. Et selon Y, tu vas avoir G. Est-ce que c'est G? Non, c'est pas G. C'est moins G. Tu vois, c'est moins G parce que le repère, il va vers le haut et toi, tu vas vers le bas. OK. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas falloir... va falloir revenir dans les boules. Donc, après, tu dis, en faisant la primitive, je mets ça juste comme un P, tu obtiens, je vais aller un peu plus vite là, V de T, qui va être égal à Vx de T, qui est une constante 1, Vy de T, qui est égal à moins G de T, donc la primitive, plus une constante 2. Alors, très important maintenant, C1, C2, c'est des réels. Et ça, il faut que tu le notes aussi. Très important au niveau de la rédaction. Et tu vas tout le temps définir tes constantes en t égale à 0. Toujours, toujours ça c'est vrai. D'accord? Donc, la vitesse initiale, elle est nulle. Donc, tu vas obtenir v de 0, donc x de 0 est égal à 0, et vy de 0 est égal à 0. C'est les vitesses initiales, disons. Donc, à partir de là, tu obtiens que c1 est égal à 0. Ok? Parce qu'en 0, c'est égal à c1, et en 0, c'est égal à 2. C2. Donc C2 est égal à 0. Ok. Donc ça, c'est le cas simple. Le cas simple, tu obtiens Vx de T qui est égal à 0
et Vy de t est égal à moins g de t. Alors, je vais t'introduire un cas un peu plus difficile maintenant. Donc, retiens ici, on est à la boule vitesse. Ce que tu peux avoir en exercice plus compliqué, c'est quoi? C'est, au lieu d'avoir ça, tu pourrais typiquement avoir ça. Ça, c'est peut-être le cas le plus compliqué que tu puisses avoir. Okay. Donc, tu es là, tu as ta voiture, ok? Et là, tu as... En fait, ce qui va se passer, c'est que tu as une vitesse qui part comme ça. Okay. Et ça, supposons que c'est une pente. C'est une pente ici. Hein. Donc, le gars, il est chaud, il veut faire un saut. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là, tu as un angle alpha. Okay. Donc, si ton axe, il est comme ça, okay. X, Y, et bien là, en fait, ta vitesse initiale, elle n'est pas comme ici égale à 0, 0, 0, 0, mais tu vas te retrouver avec une vitesse initiale qu'il faut que tu projettes sur ton axe. D'accord ? Il faut vraiment que tu projettes sur ton axe. Et cette projection, elle se fait de la manière suivante. Juste, je te donne l'idée. C'est que tu as tes axes qui sont comme ça. Tu as la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Tu as un angle alpha. Donc là, tu vas avoir selon X. Et là, tu vas avoir selon Y. Donc, la vitesse V0... V0, tu dois le projeter selon Vx et Vy. Donc Vx est égal à quoi? Bah, tu remarques, j'espère, que ça c'est juste un triangle rectangle. Donc c'est saucatoire. Donc toi tu veux adjacent, tu connais hypoténuse, donc c'est cosinus. Donc tu sais que cosinus de alpha est égal à adjacent Vx sur V0. Donc, Vx est égal à cos alpha fois V0. Okay. Et pareil, sinus de alpha, c'est Vy sur V0. Donc, tu as Vy est égal à sinus de alpha fois V0. Okay. Donc, ça c'est, comme dit, le cas le plus difficile que tu puisses avoir. C'est quand tu n'as pas une vitesse qui est alignée avec tes axes. Et du coup, il faut que tu projettes. Donc, est-ce que c'est clair que cette vitesse initiale, elle intervient où? Elle va juste intervenir pour définir les constantes en t égale à 0. D'accord? Elle intervient juste à ce moment-là. Donc, quand tu es à la boule du milieu, tu as fait ton merdier, tu as fait ta primitive, et là, c'est ici qu'intervient, si tu as la projection, là, c'est V0 intervient ici, pour trouver les constantes, C1 et C2. Là, j'ai pris un cas simple, donc j'ai 0, 0. Je t'ai fait un cas plus difficile. Une fois que tu es à la boule du milieu, tu vas continuer. Donc, tu vas encore faire la primitive et tu vas tomber sur tes fameuses positions. L'équation paramétrique. Donc, on va avoir quoi? On va avoir x de t. La 0, bah, c'est une constante 3. N'oublie pas les constantes, elles sont toujours là. Et y de t, c'est égal à quoi? Moins 1/2 de gt carré, c'est la primitive, plus constante 4. Donc, c'est 3 et C4, des constantes à partir au réel. Voilà. Encore une fois, il va falloir regarder les valeurs de C3 et de C4. Là, maintenant, si je pars, si la boule elle a été lancée de l'origine, si elle a été lancée de l'origine, ça veut dire que bah, le point initial, c'est 0, 0. Mais attention, la boule, elle pourrait très bien être à une hauteur de 20 mètres. Du coup, Y, il serait égal à 20. Là, par simplicité, je prends 0, 0. Comme ça, je vais avoir quoi? X, 0, Y, 0. J'ai dit que c'est 0, 0. Mais reste attentif. Et en même temps, ça, ça va être égal à C3. Et ça va être égal à... Ça, c'est en Y, 0, ça fait 0. C'est égal à C4. Donc, tu as tes constantes. Et finalement, tu as tes équations position finale qui vont être égales à 0. Et Y de T qui va être égal à moins 1/2 de GT carré. Alors, maintenant, ce que j'aimerais juste te montrer, c'est que là, tu as les équations. Tu as les équations quoi? Horaires. Quand tu as les équations horaires, okay, quand tu as les équations horaires, en fait,
t'as x et y en fonction de t. Mais souvent, ce qu'on peut te demander, c'est, tu vois, là, t'as, si tu veux, t'as x en fonction de t et y en fonction de t. Mais si tu avais un cas plus difficile, supposons que tu avais x de t est égal, pas à 0, mais à x, ça va être cos, v0 cos de t, cos θ de t, et y de t, si tu avais moins 1 demi de gt carré plus v0 sin θ de t, si tu avais ça, ça c'est le cas par exemple maintenant de, avec cette projection un peu plus difficile que j'avais faite, si tu avais ça, ce qu'on peut souvent te demander aussi, c'est y en fonction de x. Okay. Et c'est là où les gens, ils buguent un peu. Ok ? C'est là où les gens, ils buguent un peu. Ce qui bug un peu, parce que nous, de manière générale, on a toujours, l'habitude de définir y en fonction de x. On a toujours cette habitude, tu vois. Merci. On a toujours cette habitude. Alors que là, attention, on n'a pas y en fonction de x, on a y en fonction de t. Donc, quand on te demande définir y en fonction de x, ce que tu vas devoir faire, c'est isoler, remplacer t par x. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est isoler t ici, t qui est égal à x divisé par v0 cos θ, t'as ça, et tu remplaces le t dans y. Donc, le t, ça devient y, du coup, pas de t, parce que tu n'auras plus de t, mais tu auras du x, tu vois. Donc, ça, c'est une étape tout le temps. Dès que tu as un truc un peu plus compliqué, tu pars là-dessus. Donc, tu as moins 1,5 de gt carré plus, pardon, pas t, x au carré divisé par v0 cos θ, le tout au carré. Ok, donc tu as ça, plus v0 sin θ. Et là, au lieu d'avoir t, tu as x sur v0 cos θ. Donc, les V0 s'annulent, et au cas où, là, sin sur cos, la transformation que tu vas devoir faire, c'est toujours dire que ça, c'est égal à tangente de θ. Okay. Toujours la même chose. Okay, c'est toujours la même chose. Ok. Donc, ça, c'est le genre de truc que tu peux avoir souvent. Alors maintenant, une fois que tu as tes équations horaires, ou une fois que tu as ça, on va te poser souvent des questions. Des questions. Et dans les, pour répondre à ces questions, ce que tu dois toujours te dire, c'est 1. Dis-toi, ça c'est ce que tu dois te dire demain. 1. Qu'est-ce que je connais ? Je connais quoi ? Je connais quoi ? Je connais quoi ? De manière générale, je te donne les pistes des choses que tu connais. 1. C'est si maintenant, par exemple, tu as une voiture, tu jettes une pierre. Ok ? Si tu jettes une pierre, tu sais de manière générale, la pierre, quand elle tombe. Okay, donc souvent, tu connais genre, quand elle tombe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand elle est par terre. Donc souvent, tu connais les positions. Position finale. Okay ? Selon X ou Y. Soit tu connais, si tu sais qu'elle tombe, bah, tu sais déjà que Y est égal à 0 ici. Okay ? Ça se trouve, la question, c'est quelle est la valeur de X ? Donc, mais tu connais quand même, tu as quand même quelque chose que tu connais. Y est égal à 0. D'accord ? Donc ça, c'est déjà ça, tu vois. Et après, ce que tu peux aussi avoir, sur, ça, c'est en termes de vitesse. En termes de vitesse, tu connais aussi la flèche. La flèche, c'est, si tu as une parabole, okay, les paraboles, dès que tu as un lancement et tout, c'est les paraboles qui ne sont pas contentes. Et en fait, le sommet, c'est ce qu'on appelle la flèche. Au cas où, hein. La flèche, c'est quand tu as, si tu veux, c'est la dérivée là, elle est nulle. En gros, ça veut dire que cette vitesse là, elle est nulle. Donc la vitesse, elle va être nulle. Ok ? Donc la vitesse selon y égale à 0. Ok ? Donc ça, ça veut dire que la vitesse selon y est égale à 0. Tu vois ? Elle est entièrement sur l'axe des x, la vitesse. Donc ça, c'est les deux choses de manière générale que tu connais. C'est soit une information sur la position, soit une information sur la vitesse, la flèche est égale à 0. Et une fois
que tu connais cette information, utilise la bonne équation. Utilise dans l'équation. Et en l'utilisant, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir isoler une variable. Et quand tu as isolé la variable, en fait, tu es en train de résoudre un système. Tu vas avoir deux inconnus avec deux informations que tu connais. Et une fois que tu as isolé, ou bien tu as une inconnue, une information que tu connais, mais ce n'est pas au niveau des mêmes équations, donc tu vas isoler dans l'équation selon la position, la vitesse, selon l'information que tu connais, et ensuite tu remplaces dans l'autre. Tu vois. Et remplacer, ensuite tu remplaces dans la bonne. Tu vois. Allez, la bonne. Et quelle est la bonne? C'est celle qui répond à ta question. Donc si maintenant toi tu cherches une distance finale, tu vas remplacer la distance finale de selon x, ça va être x de t. Tu remplaces ça dedans. Tu vois. Si tu cherches une vitesse finale, ou une position selon y, tu remplaces dans y de t. Bref. Tu as juste remarqué que maintenant, si je te dis quelle est à quelle distance l'objet il atterrit, toi tu cherches quelle distance x de t, tu sais pas. Tu vois. Donc aussi un autre truc que tu fais souvent, ça c'est les infos que tu connais. Et pour cette transition, tu travailles tout le temps sur le temps. Okay, donc reste attentif sur le temps. Par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin d'un exemple ou si ça vous paraît assez clair ce que je suis en train de dire. Je vais donner un exemple. Si maintenant je te dis, tu as la boule, tu la jettes, tu jettes une boule, elle va faire comme ça. Okay, et ici, tu as une distance finale. C'est la distance finale que tu cherches. Donc toi, ce que tu cherches, allez, je vais te le faire. Attends. Toi, ce que tu cherches par rapport à cet exemple, c'est quoi? Tu cherches x de au temps d'impact, ti. Ça va donner quelque chose en mètres. Okay? Donc toi, tu cherches ça. Mais si je remplace x en ti, tu vois bien que V0, je connais, cos de mon angle, je connais, mais TI, je ne connais pas. Donc, tu remarques que ici, ma grande question, c'est que vaut TI? C'est ça ma question. Que vaut TI? Eh bien, j'ai une autre information. L'autre information que j'ai, c'est que là, j'ai le point d'impact. Et je sais qu'au point d'impact, que Y, c'est aussi égal à 0, tu vois. C'est ça, c'est mon axe. Donc, je sais que Y, au temps d'impact, est égal à 0. Donc voici mon information que je connais. Donc je remplace ça par TI. Et maintenant, là, je peux résoudre, je peux isoler TI en fait. Parce que ça je connais, et ça je connais. Donc à partir de là, il faut que je trouve la valeur de TI. Comment je fais pour trouver la valeur de TI ici? Si je factorise, j'ai TI facteur de moins 1/2 de GTI plus V0 sin θ égale à 0. Donc TI, soit il est égal à 0, ce qui est cohérent, tu vois, en 0, j'ai bien ma position Y qui est nulle, soit il est égal, soit tout ça égale à 0. Et toutes ces valeurs, je les connais, tu vois. Okay. Donc, soit tout ça égale à 0. Et tout ça, du coup, je peux isoler mon TI. Donc, je sais que TI va être égal à, je passe ça de l'autre côté, ça me fait moins V0 sin θ, et je divise ça par moins 1/2 de GTI. Moins 1/2 de GT. Donc, voici ma valeur de TI. Et si je remplace ça maintenant là-dedans, XTI devient quoi? Ça me devient V0 cos θ, et au lieu de mettre t, je mets tout ça. Donc là, les moins, ils se simplifient. Donc j'ai V0 sin θ sur 1/2 de g. Et cette valeur-là, je connais. Donc l'énoncé me donne V0. Je connais tout. Donc je viens de trouver la bonne réponse. D'accord? Donc c'est juste pour te dire comment tu utilises ça. C'est qu'est-ce que tu connais, soit une position finale, soit la vitesse, la flèche,
Et ensuite, tu utilises le temps comme relais. Tu remplaces dans un, tu isoles ton temps et tu remplaces dans l'autre. Et tu obtiens la solution finale. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est la partie mécanique. Et une fois que tu as ça, tu as déjà fait le tour. Je vais te faire un dernier truc. Hein. C'est, allez, 2 minutes. C'est juste que tu vas avoir l'énergie. Donc, on va souvent te parler après d'énergie. Parce que, tu vois, on parle de vitesse et tout. Et ben, ça, c'est en corrélation avec l'énergie. Donc, on va toujours te demander l'énergie mécanique, c'est égal à quoi? Ben, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Le plus en... Voilà. L'énergie cinétique, ça va être égal à 1/2 de mv². Okay, ok. Et après, le plus connu, c'est mgh, par exemple. Si là, par exemple, tu n'as que le poids. Ok. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on peut aussi te demander, c'est les variations de l'énergie mécanique. Les variations. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut juste dire fin moins début. Ça veut dire E fin moins E début. Ok? Donc, tu peux avoir... Et ça, du coup, c'est égal à les variations de l'énergie cinétique plus les variations de l'énergie potentielle. Ok? Mais juste ça, tu vois. Ok? Et les énergies, comme dit, tout ce qui est potentiel, bah, MGH, c'est masse fois gravité fois, fois la hauteur. Donc, sois attentif, encore une fois, sur ton repère. Très important ici, tu vois. Et 1/2 de mv², bon, bah, la vitesse, souvent, justement, tu l'as, parce qu'avant, on parle déjà de vitesse. Okay. Donc, je dirais que à partir de là... Est-ce qu'il y a encore un petit peu des trucs un peu classiques que tu pourrais avoir? Mais, ouais, voilà. Ah oui, l'énergie mécanique, elle est constante. Constante, si elle est constante, tu as ça. Ok? Si c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie mécanique, elle est constante. En gros, t'as pas de perte d'énergie. Donc, si tu veux, tu n'as que des forces conservatives. Forces conservatives. Ok? D'un autre côté, ce que tu peux avoir, c'est tu peux avoir quelque chose comme ça. Et ça, tu vois bien qu'on a une perte d'énergie. Ok? Là, tu as une perte d'énergie. Et cette perte, souvent, donc souvent non, ça, c'est quand tu as des forces, justement, qui sont non conservatives, comme le frottement. Okay. Donc, capte que, voilà, ça, c'est important à capter. Quand tu as l'énergie mécanique qui est constante ou pas, tu vois. Ok. Et puis, je suis en train de réfléchir, mais je pense que c'est déjà un bon petit résumé de ce qu'il faut capter. Mais bon, on est bon. Ça marche, les gars? Donc, voici mon passage. Merci pour ceux qui remercient, c'est gentil. Pour ceux qui veulent, bon, là, pour la physique chimie, peut-être qu'il y a encore moyen d'en faire un ou deux. Si tu veux choper la formation bac, elle est là à moins 70%. Et tu as aussi la SI et l'SVT. Ça, c'est cool, c'est avec, tu vois. Maintenant, si je peux te donner un... Bon, maintenant, il y a deux écoles. Hein. Soit tu as l'impression que tu as encore besoin de taffer un petit peu, bah, vas-y, donne tout. Hein, fais de la chimie. Alors, la chimie, ce qui est bien, là, je pas. Ce qui est bien avec la chimie, c'est que dans les exercices que j'ai déjà fait, franchement, tu vois très vite que tu fais 3 exercices de chimie, tu remarques à quel point c'est toujours les mêmes types d'exercices. D'accord? Donc, voilà. Si tu as l'impression que tu as besoin encore de te mettre bien en chimie, vas-y, donne tout. Donne tout. Vas-y, donne tout, c'est à toi de jouer maintenant. Ok? Sinon, pour les autres, tu as l'impression que tu as fait le tour, c'était utile. T'as enlevé un peu le doute de l'énergie mécanique, là, le stockage avec les bits, les octets, tout ça. Très bien, très bien. Repose-toi. Ok? Repose-toi. Pour ceux qui débarquent et qui demandent la méca, le travail des forces, c'est ce que j'ai fait dans la deuxième partie, donc reviens juste dans le live. Et pour ceux qui demandent qu'est-ce que tu as fait en premier, j'ai fait stockage, traitement de l'information. Ok? Donc oui, dans la formation, il y a aussi du Kepler, il y a tout ça. Allez checker, je vous laisse voir, il y a les sujets avec les vidéos, tout est dessus. Ok, voilà, ok, il y a de la relativité restreinte, il y a tout ça. Tout y est,
Voilà les gars. On est bon ? Faut que je vous laisse. Faut que je vous laisse. J'ai rien mangé de la journée encore. Je commence à avoir faim. Bonne chance pour demain. Ok ? Restez au top. Et encore une fois, demandez, posez-vous des bonnes questions avant de faire mille trucs. D'accord ? Ne faites pas mille choses. Ne partez pas tête foncée. Posez-vous juste les questions déjà. Je ne vais pas dire que c'est toujours les bonnes questions. Mais pose-toi les bonnes questions. Tac, tac, tac. Et c'est ce que j'essaie de te montrer en fait à chaque fois. Tu vois bien que quand je suis là en train de te montrer un exercice comme il se construit, c'est juste par la question. Ok, la question ça peut être ça, la question ça peut être ça, la question ça peut être ça, la question ça. Et quand tu analyses les exercices que je traite à chaque fois, ou les autres profs aussi dans la formation, tu vas remarquer que à chaque fois tu peux te demander, ok, je suis à ce stade-là. Quand j'ai cette information, qu'est-ce qu'on peut me demander? Ça, 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 ça. Ok, je suis passé par là. Quand je suis là, ta, 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 ta. D'accord ? Donc voilà. Ok. Diffraction, ça peut être cool. Les interférences, jeter un petit coup d'œil, hein, ça peut quand même tomber. Et voilà. Ok. Je vais pas faire de pronostics parce que au final, les pronostics, c'est une question de proba, hein. Question de proba. Mais c'est sûr que les interférences, ça se combine bien, ça s'insère assez facilement. La méca, ça s'insère toujours facilement parce que quand je dis méca, c'est à la fois les énergies, les Kepler, les électrons, les tout ce qu'on a fait maintenant, ça s'insère juste bien, tu vois. Ok ? Faut like les gens, c'est gentil. On est bon ? Allez, je vais pas vous retarder plus longtemps. On aura l'occasion de parler encore. Ok, bonne chance, vous gérez, partez du fait. Ok, c'est propre. Magnifique petite soirée. J'espère que ce petit live, assez long au final quand même, vous aura plu. Restez au top. Et puis les gars, au cas où, pour ceux qui stressent, je sais qu'il y en a pas mal qui stressent quand même, je dis pas que c'est pas légitime, c'est légitime de stresser, c'est peut-être normal, tu vois. Il y a une vidéo que je vous ai faite sur Instagram, alors il faudra un petit peu monter un peu plus longtemps, mais je vous parle de la respiration carrée. C'est juste une manière de respirer que tu peux faire ce soir, que tu peux faire demain matin, quand tu es assis, tu fais cette respiration, c'est tout bête, hein, c'est appris en moins d'une minute. Et c'est sur Instagram. Donc, je peux vous conseiller d'aller voir ça. Je pense que c'est très utile. Et voilà, ça va juste être une manière de canaliser sa respiration. Et quand tu canalises ta respiration, tu te concentres dessus, tu seras beaucoup mieux. Tout est au niveau de la respiration, les gars. Pour ceux qui stressent, tout est au niveau de la respiration. Même quand tu prends une douche froide, je sais pas si t'es au courant, moi je prends les douches froides. Bref, suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait, les gars. Là, on est nombreux en plus. Quand tu prends une douche froide, c'est au niveau de la respiration. Si tu paniques pas, si la respiration elle est stable, t'as pas froid. Mais bon, ok, c'est propre. Magnifique soirée et restez au top, on se tient au jus pour demain. Ciao.